Et du coup, Blobo qui avance en semi-loser. Pas mal pour son tour d'honneur. Hein. Pas mal. C'est marrant parce que, genre, Blobo hier, on faisait le ceiling. Et bon, avant qu'il parte. Et on en parlait, on disait, mais à part Pluto, c'est qui le deuxième français qui est présent, tu vois. Et on discutait, on réfléchissait, on regarde Blobo, on fait, mais c'est quoi le deuxième français qui est présent, genre, en termes de niveau global, tu vois. Blobo, il était là, genre, non. Franchement, non, je pense pas. Il en a cité d'autres, il était, ouais, non, je pense pas tout ça. Non, moi, je. Tu vois, j'ai un peu rouillé. Allez! Arrête de te dévaloriser comme ça, Blobo. C'est 3 ou 5. C'est pas 5. Ça reste en 3. C'est bon? Ça va, je Et du coup, ouais. Comme il faut. Le monsieur se dévalorise et pourtant il est là. Il représente le pays français juste en dessous de Gloutonie. Maintenant, la grande question est, est-ce que Blobo va arriver à nous remonter jusqu'à Gloutonie? Parce que c'est Gloutonie qui envoie Blobo en longueur. Personne. Je pense qu'il a envoyé tout le monde en GF. Hein. Comment? Il est en GF, non? Il a envoyé tout le monde en GF. Ouais. Du coup, c'est la grande question, c'est ce que Blobo va faire le retour jusqu'en GF pour réaffronter Gloutonie. Est-ce qu'il va faire tomber Waves? Est-ce qu'il va faire tomber Skell? Là, il a encore deux gros murs pour atteindre la GF, Blobo. On a un beau planning quand même quand il pense, parce que après ce match, en supposant qu'il gagne, on aurait un match de SNF. Et ça, du coup, bah, ça fait du bruit. Et si alors Blobo arrive en GF contre Gluto, ça s'entendra que pour son apparemment dernier match de tournoi, il se retrouve contre Gluto. C'est quand même chouette. C'est stylé, ouais. Ah, puis même pour lui, ça serait cool qu'il fasse. De toute façon, s'il gagne ça, il est top 3, je pense. Yes. C'est super bien. Non, mais c'est franchement, c'est cool. Ouais, c'est clean pour Blobo, c'est plutôt clean. Je sais que moi, en tant que commentateur, j'ai souvent la réplique de Ouais. Tu vois. Et bien, si vous pensez la même chose de Blobo, messieurs lames. Lui aussi il a le micro dans la main, mais regardez-le jouer. C'est comme ça qu'on joue. Très 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 solide. Enfin, moi ça m'insupporte. Je jure, ça m'insupporte. Ah mais tu sais jouer en fait. Je fais pas que commencer, t'es pas nul. Ah je vais taper. Je vais taper toi. C'est tellement ça. Insupportable cette remarque, insupportable. Dis le jeune innocent qui ne connaît pas mêler. Non mais même tu connais pas genre le. Enfin je sais pas quand tu. Ouais mais dans le principe je sais, j'en pense pas. Ah bah bon. Allez, concentrons-nous sur cette game, cette semi-loser contre Sky Waves face à Blobo. Sonic Megaman, est-ce que t'as une idée du match-up? Moi je pense que ça va être une grosse question de patience parce que déjà, c'est du 3 stock, forcément c'est plus long. Et là, c'est pas compliqué, on a un mur de projectiles contre le timer out, le perso le plus time out du jeu. Donc, moi j'ai beaucoup de passé contre Waves, on s'est beaucoup croisé en tournoi par le passé. Il m'a jamais pris un set, on est à 8-0 actuellement, le truc c'est, ah ouais, pour un Sonic Mains, il a des phases, à la fois agressif et à la fois campy en fait. Donc je sais pas trop comment il va faire contre Blobo, si vraiment il pose son mur de projectiles. Parce que là avant il nous a quand même fait des phases vraiment chouettes avec les shield, avec l'edge, etc. Je sais pas du tout comment il va s'adapter. Après, quelle est l'expérience de Blobo sur un match-up Sonic, je t'avoue C'est ça la grande question en fait, parce qu'on a quelques Sonic en France, mais certainement pas à Paris. Ouais. Certainement pas dans la région où Blobo se bute. Donc on verra bien. Moi je me rappelle le seul match que j'ai vraiment commenté de ce match-up, c'était XY Griffith. Okay. Qui sont deux meilleurs joueurs de ce match-up au final. Bon, à l'heure actuelle, oui, c'est clairement. Et Griffith qui l'avait emporté, mais clairement, c'est des matchs qui étaient très longs. Là, on voit déjà 2 minutes au timer qui a été dépensé et toujours pas de stock qui est parti. Hein. Et ça peut se jouer à rien. Ça va être du long, ça va être de la patience, ça va être de l'analyse. Et puis à voir, parce que pareil, malgré tout, malgré le fait qu'il joue Sonic, c'est un. Je dirais pas que c'est un joueur qui tilt, mais c'est un joueur que tu peux sortir du match. C'est-à-dire que si vraiment tu joues au jeu de la patience, comme il faut, ça peut marcher. Oh là des là pourcentages là de. Là oh là là, j'ai cru que ça me tue. S'il joue vraiment avec le jeu de la patience, les pourcentages ne veulent pas tant dire grand chose. J'adore la façon dont Blobo crée la. Oh Coco Futur en point, boum. Au centre du front. Appuie ce doigt. Ta gueule. Oui, Foster. Alors je crois que c'est le side B. Non, il y avait side B qui l'avait mis à la edge, il a remonté, puis il s'est dit, c'est le mien. Ouais, il s'est suicidé. Voilà. Il s'est mis sa bombe lui-même. Il s'est dit, bon, allez, tu galères un peu à me tuer. Cette rage, elle va me saouler. Tu faisais peut-être trop de bruit pour lui. Oh là 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 là. Des repères, ça gratte. Incroyable. Alors, du coup, le truc de. Oh là là. Oh non. Dommage. Ouais.
Bah, il a bien couvert les options. Juste dommage de Waves CSD. Mais alors, reste tout couvert. Du coup, j'aime beaucoup la façon dont Bubo gère ses distances depuis tout à l'heure. Genre, il tire ses strombes ou pas quand il est proche, mais quand il est un peu plus loin. Pour justement qu'il n'ait pas à réagir à Sonic, il est toujours en prévention. Et du coup, si Sonic est hyper approché, il va rentrer dedans. Parce que les cibles vont pas être trop supportées, si tu veux. Mais si jamais Sonic avance à ce moment-là, il se le prendra quoi qu'il arrive. C'est clair. J'aime beaucoup du coup cette question de la distance. Là, par exemple, il était loin de Sonic, mais Sonic a approché, il s'est pris le citron. J'aime beaucoup cette question de la distance de Bubo sur son shoot. C'est super intéressant. D'une part, il le zone très très bien, et là, actuellement, il peut jouer le jeu de Sonic. C'est-à-dire qu'il peut totalement le zoner, lui envoyer des bêtises, et attendre que le Sonic approche, vu qu'il a clairement un pourcentage lead. On est à 4 minutes, on a la moitié du timer, presque la moitié, peu de la moitié de la game concrètement, mais si rien n'oblige Bubo à approcher là maintenant, il peut tout à fait jouer défensif, campy, contre Sonic, je dirais pas qu'il a le meilleur temps, mais c'est une option. À gratter avec quelques petits citrons, attendre 2-3 petites phases avec le père, un back air, Megaman c'est lourd quand même, hein. On dirait pas comme ça, mais c'est lourd. Hein. Ouh, oh c'est là pas tech, là, dommage. Il rate encore une tech, quelle tristesse. Vous savez, on vient qui est devenu très 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 agressif. Hein. Il veut pas laisser Bubo poser son jeu depuis tout à l'heure. Hein. Il le colle, voilà, il reste une skillage, elle est juste devant lui pour pas reprendre de la distance, pas sauter, se prendre des deux paires ou leur laisser le temps de jouer sur une projectile. C'est clair. Et là, tu as dit qu'il a un peu de rythme, bah, je te gratte. Là, à part ça, juste en se regardant, il lui a gratté 15-22%. Juste en le fixant, il lui fait, bah t'approches pas, bah tiens mon gars, tiens, avale. C'est tout. Et t'as vu, c'est une distance, juste le strong touché pas quoi, c'est pas grave. Tu fais un pas en avant. Le spacing. Un pas en avant. Oh là là! Oh, oh c'est dommage! C'est dommage que c'est pas co! C'est dommage! Oh j'aurais tellement kiffé! Moi aussi je t'avoue! Eh mais Blue Bow sur Megaman ils m'ont ouf! Hein. Pourquoi il peut à ce point pas jouer en deux stocks? Oh ça me frustre! Vous vous tapez off stage à mon avis! Enfin oh off screen, excusez-moi! Tellement bonheur de voir ce Megaman, il est trop beau! Hein. Tu te rappelles de l'Est quand il nous avait sorti son Megaman en double? Il avait rentré de ses trucs! Je me rappelle de ces matchs, on avait plus des phases. C'est assez vieux, mais alors, il avait sorti de ces trucs, il y avait un moment, il était super chaud. Il t'a lancé un double. Comment on appelle ça? Un double reset. Puis il y a juste en fait le down air qui a mal connect. Il avait fait un 0 sur 50 à un type, et il a juste manqué le DR. Le type est en train de se chier dessus pour le reset. Non, mais franchement, Blue Boy, il a. Pas une fois tout le match. Il attend le bon moment. Il sait que Wilson va prendre un peu de distance. Il a un avantage que c'est un peu dangereux. Ouais. I didn't hear what you said actually. Good luck, man. Good luck. Keep it up. Faut pas lui dire ça. Faut lui dire your mom. Il adore ça. Il dire quoi? Your mom, il adore ça. Sérieusement. Du coup, ouais, Bubo qui a pas lancé un seul touch de toute la game, il a attendu, il savait que Wilson Waves, il avait tendance à prendre un peu de distance alors qu'il était au bord justement pour respirer un peu plus avant de rechercher le moment où il peut rusher ou quoi. C'est dommage qu'il se soit SD parce que je pense que c'était. Je dis pas que ça aurait déterminé la game, mais ça a quand même bien impacté dessus. Il a tout couvert, il finit par un death smash, mais il a été trop bas et puis la brique, la classique. Dommage. Ah, bien du coup, en tout cas. Allez jouer, hein, le set est magnifique. C'est clair. C'est toujours plusieurs games. En plusieurs games, sur pointé que ce genre de choses soit vraiment du set. Counter pick Town and City pour Wave, c'est un très bon terrain pour Sonic avec ses repères et ses douilles, on va dire ça comme ça. Il peut le prendre plus tôt. Maintenant, c'est Bluebo. Je sais que Bluebo aime se prendre des douilles. Il va pas aussi bouger un peu partout, prendre l'atterrissage plus difficile à courir. Le truc, c'est que Bluebo il a quand même plein de projectiles qui tapent dans tous les sens. Compliqué pour Wilson Waves de vraiment. C'est dur, hein. Vraiment. C'est dur hein, quand t'es habitué à Will. Hein. Ouais. C'est ouf. j'ai pris presque un an habitué. On verra bien. En tout cas, pour le moment, clairement, Waves qui fait un excellent taf. Et on voit Bubo là qui est un peu en retard, donc il se rapproche. Hein. Oh, c'est sexy ça. Tout faire 1, non il avait faire, jab 1, up tilt sur you, ça connecte. Oh, ça lit. Et voilà les pourcentages rattrapés en une phase, merci. Et il poque un peu. Là il attend, là il peut se permettre d'en attendre et de forcer Waves à revenir vers lui. Waves manque juste de présence offstage. Bon, ça c'est très bien, un bon backer, ça clôt la stock, c'est très bien. Je trouve juste que de manière générale, vu qu'il a une Rico relativement linéaire, Megaman, même s'il peut mixer avec ses sauts, il va pas acheter le chercher offstage, sachant qu'il a Sonic. Je pense à un truc sur quoi il pourrait capitaliser peut-être un peu plus. Après c'est comme il le sent, je pense.
plutôt que d'overcommit et de te SD comme à la game d'avant, c'est pas grave, je pense à autre chose. Plutôt jouer safe, faire des spin dash, mettre des backers plutôt que te compliquer la vie à ce niveau-là. Attention, oh, le double saut. Attention au backer, hein, c'est vrai qu'il n'y a pas de rage, mais ça met une situation offstage qu'on n'a pas, pas envie d'avoir. Ça gratte. Aïe aïe aïe, sur la plateforme là. Bienvenue. Il attend un peu. Là c'est la passion qui se regarde dans le blanc vraiment, des là, yeux c'est... les deux. Hein. C'est pas forcément facile à meubler, mais c'est vraiment, c'est... les deux ils s'observent, ils se regardent, ils attendent des réactions, ils s'analysent. Ouais, en plus Musan il veut vraiment pas prendre de risque parce qu'il a cette stock d'avance, il a cette avance, il a vraiment besoin de tous les personnages pour gratter et conserver cette avance si jamais il perd sa stock, parce qu'il peut la perdre à n'importe quel moment cette stock. C'est clair. Avec pas ce genre de phase. Oh, oh ce genre de phase ouais. Bon, la from backer, clean. Oh. Voilà, il s'est pas SD. C'est une dash backer. Tu vois là, il le laisse Rico free. Hein. Et c'est dommage. Parce que là, j'ai pas l'intérêt de se barrer, revenir en dash attack. Ça couvre rien, ça sert pas à grand chose à part peut-être exploser. C'est dommage. Au cas où, Luke, il ménage pas une bonne scie aussi pour couvrir un peu. Oui. Au cas où. Je pense n'a pas trop envie à Wilson d'y aller. Et Wilson, je trouve Waves. Il est assez patient comme joueur. Le fait encore une fois, il a le lead et il va pas gâcher son lead. Vraiment, non, il a raison. Et peut-être que de la semaine d'avant, du match d'avant, il a pas mal pour la vidéo aussi. Ouais. Vous attendez la réaction là, mais Wilson qui a pas fait l'erreur de roll, il s'est dit non, je vais sauter, on verra après. Oh, oh bien vu ça. Backer. Très bien vu ce backer. Le prochain devrait finir la stock. C'est généralement Bubo, il est plutôt solide quand l'adversaire est à l'edge et il attend de voir la réaction et il réagit à ce que fait le mec après. Ouais. Et là, il a pas pris l'edge, il a juste sauté instantanément pour mettre ce backer. J'ai l'impression que c'est un truc des joueurs de hype de vraiment d'attendre la. Ouais, ça c'est plus nul, c'est clair et net. Je veux mettre ma droite dans la garde, regarde la mienne. Ça c'est clair et net. Mais je dis, j'ai l'impression que c'est un peu le truc de tous les joueurs de hype, c'est un certain truc, on va attendre uniquement la réaction et l'erreur et fixer le truc, et fixer la personne. Et j'ai l'impression qu'il arrive à appliquer ça avec son Megaman, mais ça marche bien. Sonic peut mourir assez facilement avec un up-tilt, je pense, actuellement. Ouais. Avec un smash, je pense pas, mais c'est encore assez even, je trouve. Ouais, je suis tout d'accord. Là, ils font des bons risques, hein, Bobo, pardon. Ah, bah, tu vois qu'ils veulent rentrer, son joueur. Ouais, d'ailleurs, il a tenté de faire un smash qui va passer. Il tente, il prend des risques. Même temps, il est derrière, il a besoin de prendre ce genre de risque s'il veut faire le comeback. Ouais, pour pas trop se faire gratter sur la vie d'après. Exactement. Et là, il va être assez. Ouais, le up smash, mais ça tue pas. Tu vas te couper, mais je me suis dit, ah, les fameux up smash de Bubo, mais là, non. Tu fais bien. Donc, normalement, le prochain devrait le faire. Il a pas de kill trop, Megaman. Non, ouais, gratte. Ça fait peur. 3 minutes au compteur. C'est des longs matchs, ce genre de match-up, c'est clair. C'est projectile, c'est long. C'est clair. Tellement intense, moi, je vais pas passer, hein. Ça, à jouer aussi, c'est très. On dirait pas comme ça, mais c'est assez crevant. C'est que la réflexion. C'est. Notamment, on est prisonnier pendant 8 minutes non-stop, genre vraiment. C'est pas la même dynamique qu'un Falcon Roy, mais c'est. Ouais, c'est différent. Oh. Oula, la plateforme, ça va. La shop, ça ne suffira pas. La scie, elle est prête. Attention. C'est drop. Oh. Le smash, non poubelle, ça devrait jouer, ouais. Qui était un peu plus grande que la F3. Hein. 82. Je pense que c'est encore largement faisable. Hein. Wilson qui a eu l'avantage des débuts, qui l'a complètement conservé. Mais sur ces deux dernières prochaines minutes, c'est carrément possible que Bobo inverse la valeur. Ouais. La vapeur. La vapeur. La fin de journée. Quoi, des petites phases, des gratouilles. Alors, je pense que Sonic, s'il reste dans ces pourcentages-là, ça devrait pas jouer au niveau des kills, à moins de se prendre vraiment un gros F-smash vers la ledge. Je pense qu'ils vont encore bien se faire gratter une quinzaine de pourcents. Là, c'est bien. Le boy revient gentiment, il fait des petits backers, il gratte avec ses citrons. Après, il peut-être jouer avec la rage avec un autre. Faut voir. Si le boy continue de gratter comme il fait là, ça peut le jouer. C'est clairement pas fini. Ah, clairement! Parce qu'en plus, la Blue Boy joue bien aussi la patience, tu vois, elle est pas pressée. Waves devrait jouer d'ailleurs un peu plus défensif. J'ai l'impression que ça reste time out. Hein.
Regarde le. Mais ouais, mais en fait, genre Waves devrait plus chercher le timeout qu'il le fait actuellement. Là, Waves cherche le kill, il cherche pas le timeout. Et je pense vraiment qu'il devrait le chercher parce que je pense qu'on disait, c'est qu'il peut se faire gratter. Et là genre. Megaman, il a quand même 70% à ronder, ce qui est quand même énorme. Et avec seulement une minute au compteur, s'il bougeait dans tous les sens, ça serait quasiment impossible pour Megaman d'en remonter ça, vraiment. Mais là par contre, à essayer de chercher un bonus d'agression, tu vois, c'est Megaman qui recule, et c'est Sonic qui approche. Oh il devrait pas, parce que on l'a dit, un peu de rage, un petit coup, une petite carotte, et la 5 elle peut partir. Oh, c'est pas passé loin, c'est tellement pas passé loin. Là actuellement je pense, la Wave je pense qu'il va courir pour le timeout. On a un Megaman quand même à max rage sur un smash. Là c'est clair et net hein. Là Wave à mon avis il va récupérer la prochaine. Je pense qu'il se dit je me fais toucher une fois, c'est fini. 30 secondes, là à mon avis Blue Bot tout intérêt à tenter le tour pour le tour. Clairement hein, mais il va pas avoir le choix, mais tout le monde voit Wave. Tu vois les Wave les spin dash qui lui font rien, ils se disent oh là. Oh, oh ouais. Mais tu vois, 22 genre... secondes. Merde. Finalement, c'est fou. Mais vraiment, mais si on sueur. Eh, vous avez fait passer un Sonic on Stream, c'est vos problèmes. Hein. C'est vrai. Assume tes conneries. Là, il y a un pour ton plus grand plaisir. C'est toi qui as ramené le Sonic on Stream. Clairement, c'est toi qui as ramené le Sonic on Stream. Hein. Eh, tu sais. Clairement, ouais, dans lequel je pense jouer vraiment plus défensif et jouer la montre. Pour moi, il a pris des risques qui étaient. Pour lequel le reward ne valait pas le coup. C'était pas Smash Mage. Je crois que c'est Smashville hein. Je crois que c'était Smashville. Je crois que c'était Smashville parce que tu t'étais SD dans la première. Smashville. Je crois que c'était Smashville, tu l'avais dans le Smash, puis t'es tombé, SD. C'était Smash quoi. On va dans la même, ça. Ouais, si. Si, il a joué avec la plateforme. Il a joué avec la side plateforme à des moments de ouf où il balançait. Je me rappelle d'une phase où, genre, il a drop, il a balancé la scie pour couper. Genre, ils étaient face à face sur la plateforme. Et, genre, Blue Boy était en extérieur, il a drop de la plateforme, il a balancé la scie pour éviter que Sonic drop. Et après, en revenant vers le stage, il a double sauté up air pour couvrir encore plus. Ok. C'est sexy, c'est sexy. Ouais, Smashville. Donc. Battlefield. Alors là, enfin, là ça va être long. Hein. Là, c'est time out. Hein. Je colle. Attends. Viens la caméra, viens la photo. Regarde, tu es là. Il y a le petit haut là qui est en train de se dire nom de Dieu. Parce que les tunes doivent absolument rendre la salle à 19h et je vous jure les tunes ça finira avant 19h par contre, mais j'ai aucun doute là-dessus. J'espère. Non mais j'ai aucun doute là-dessus. Je pense que les matchs d'après devraient quand même aller un peu plus vite. Mais si Sonic passe, faut voir parce que n'oublie pas qu'après c'est du BO5. Aucun doute, non franchement aucun doute. J'ai aucun doute. T'es confiant que ça va finir. Okay. Mec, il n'y a pas 10. 13, allez. Allez, quart quand même, hein, 45 minutes. 3 quarts d'heure, au calme, zéro doute, ça finira. Allez. Du coup, tu veux quoi, Wario ou. Tu fais pas le clown, tu risques pas la braquette. Allez. Alors, au pire, pour le moment, Blue Bow. Qui est plutôt solide sur sa phase, hein. Il arrête tout là, par contre, s'il va se mettre à l'edge, c'est un peu dommage. Lui qui avait tout le stage. Après c'est pas trop dérangeant de se mettre à l'aide au niveau de Sonic mine de rien parce qu'il va pas pouvoir cross-up et faire ses phases. Donc c'est un des rares match-up pour lesquels c'est moins grave d'être à l'edge. Un truc qu'il faut vraiment exploiter avec Sonic, c'est bête hein, mais c'est effectivement voilà, c'est ce genre de phase. C'est-à-dire que un Sonic qui veut jouer optimal ou moi ce que je. Pas super sympa, on va dire ça comme ça. Il va bourrer sa spin dash parce que c'est hyper safe, je te fais pas l'histoire. Par contre, ce qui est plus intéressant, c'est justement, tu shields son spin dash, il va partir avec son spin dash, 9 fois sur 10, il fait son up B, et là, c'est là où il faut essayer de capitaliser. Il va land soit avec une attaque, soit avec une air dodge. Si t'as un coup disjoint ou des projo, faut capitaliser à ce moment-là. Ouais. Nerber. Belle pression waves. Il se grave. Heureusement, il s'est tapé avant le B, donc il prend le sprint de tout à l'heure. Game plus agressif qu'avant, quand même. Hein. C'est-à-dire, on avait pris. Ah non, my bad, en fait, non. Ça mettait. Il y avait 2 minutes et pas de surprise. J'ai rien dit. J'avais le sentiment qu'il se rentrait. Oh, le back air. Oh, attends 2 minutes. Voilà. Une seconde. Autant pour moi. T'as eu raison. C'est plus agressif que la game de tout à l'heure. Le Tio, ils sont dit, allez, maintenant, les gars, vous rushez. Ça suffit les timeouts. Ça pousse. Attention, il revient. Et là, à l'inverse, tout à l'heure, Wilson, lorsqu'il a pris sa petite avance, il a capitalisé le plus possible sur cette somme. Il a gardé le pourcentage qui a d'ailleurs fait la diff
en fin de game tout à l'heure. Et bien là Blue Boy va devoir faire exactement la même, pas trop prendre de risques, éviter de mourir, on est sur Battlefield en plus, il va vraiment survivre pendant un certain temps. Ouais, il va temps. Sac, il va bien sac. Et c'est le moment de gratter, hein. faut qu'il gratte, pour qu'au moment où il perd sa stock, il ait un sacré avantage. Et malheureusement, il a capitalisé que 9%. Après, peut-être que voir, est-ce que Bluebo commence peut-être un peu à perdre patience. C'est ça, Sonic, 3 stocks dans ces moments-là, c'est très long et fatigant. C'est-à-dire que rester mentalement concentré, etc., c'est fatigant. Faut clairement le dire, c'est fatigant. C'est bien plus ça. Bluebo qui a sauté sa plateforme, c'est un peu dommage, il a vraiment besoin de descendre. Il va à l'aide, il tourne, jump and shoot, la classique vers Mega Man. Belle face pour Bluebo qui a très bien suivi. Hein. Ça gratte bien. Pareil, Sonic, ça va bien gratter les pourcents, bien comme il faut. Ça va moins struggle pour le kill que... pas que shake. Mais... je trouve quand même... les deux au niveau du kill galèrent quand même pas mal quoi. Je trouve... Megaman a quoi vraiment, à part son up smash qu'il a rentré dans ce set, qui est vraiment, à part le back air aussi, une grosse option sur quoi il peut bien se reposer. C'est là pour maintenant, Blue Boy tient bien plus longtemps son shield, là par exemple il a catché le saut back air. Mm-hmm. Là par contre il a tenu plus longtemps son shield pour agir après le spring, mais... Waves a attendu avant de faire son spring, il a mis un léger délai, du coup Blue Boy s'est quand même pris le spring, c'est pas mal. Il y a des légers changements de timing de la part de Waves, c'est super intéressant pour couvrir les réadaptations potentielles de Blue Boy. Mais mine de rien, Waves s'est pris énormément de citron et la différence elle se fait sentir là, 20%. Et deux autres minutes qui sont passées au compteur depuis ça. Ah, j'ai vu une option qui aurait pu être hyper intéressante. Il a fait tomber de la plateforme avec son fer, donc avec le citron. Il aurait pu le reloquer juste derrière, je pense qu'il avait pas reculé, juste en lui mettant un petit jab et installé vite avec un petit. Ça lock le jab de Mega Man. Bon voilà ça il l'a puni tout à l'heure, il repunit, il est pas pour ça. Aucun problème là-dessus, la shop, back throw, F-throw, il était plus proche de la gauche, attention, le DR, ça ne touchera pas, mais... Oh là, bien là, vu là, là. Maintenant il peut chercher une option plus safe. Oh, ok. Ah il allait. Et là il a bien tourné en shield, voir, il n'y a pas de B, il va essayer de punir. Waves par contre qui a pas bourré un backer cette fois-ci, il a pris le temps de tourner autour l'appareil. Il se presse pas et là il est au centre de la back throw. Oh. Et c'est la fin. Waves, dernière stock. Il a vraiment besoin d'arracher cette stock très rapidement. Bluebo faut qu'il gratte, il a fait son tap tout long là, il peut pas perdre ça maintenant. Oh là là, ça s'est pas passé loin. Oh il va se gratter à mort avec ses deux paires là, s'il arrive à l'empêcher d'atterrir, il est encore off stage, hein, regarde-le. Ça se passe mieux là, il se dit j'ai une stock lead, je peux me permettre d'être plus agressif, tenter ce genre de phase, et là elle marche très bien, 46%. Et puis là il suit tout, hein, il suit tout l'atterrissage, bien vu la bombe de la part de Wilson, il s'arrête net derrière lui. Wilson. Le Sonic. Oh oh! Non! Way! Blue Bow! Il ne va un petit bout de sous le lock au Leaf Shield cette fois-ci! Au Leaf Shield! Oh là 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 là! Oh il a retenté! Pourquoi on le voit pas plus sur Mega Man? Hein? Pourquoi on le voit pas plus sur Mega Man? Oh là là! Il est tellement dans la tête du mec! C'est bon, il sait! Là, tu l'as bien! Il sent Wilson, il est un peu fébrile! Qu'est-ce que je te dis justement? Et il est bon, hein, il peut attaquer. Oh là, ça va faire mal, non, j'ai une bague. Non, je vu que les sorties d'hiver, j'en ai une petite contre-attaque. Oh là, upper. Oh là là, ça tue. Upper, drop, upper. On a l'habitude du backer, il ne met pas le backer. Il voit qu'il fait son deuxième saut. Il passe juste au-dessus, upper. À 71, avec cette rage. Ça suffira. Bluebo est venu. Il a dit, il a annoncé, je prendrai ce panier repas, c'est pour moi. Et il a son panier repas, Bluebo. Qui l'a bouffé dans l'after, mais ça.